Bonjour à toutes et à tous, voici quelques conseils pour animer une classe virtuelle. Bien sûr, ceux-ci seront adaptés en fonction du contexte de votre classe. Alors, proposez des consignes précises en privilégiant les phrases courtes et les mots simples. Allez à l'essentiel, un trop grand nombre d'éléments différents gêne la compréhension de l'élève. Par exemple, je devais animer un cours sur les réseaux. Alors, voici un document, mais ce document était plutôt un document que je propose à lire aux élèves tranquillement à la maison. Il est peu adapté à une classe virtuelle. En effet, il y a beaucoup de textes. Alors, soit je lis le texte avec les élèves et il n'y a pas grand intérêt, soit je fais mon cours, les élèves ont le texte, donc ils devront choisir entre soit m'écouter ou soit lire le texte. Donc, ils ne peuvent pas faire les deux choses en même temps, donc le document est peu adapté à une classe virtuelle. Alors, je privilégie plutôt des diaporamas simples où on va à l'essentiel. Peu de texte. Et ensuite, ça permet, eh bien, à l'intérieur de ce diaporama, de discuter avec les élèves. En voici un autre qui respecte ces règles. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez grand, clair. Et j'agrémente souvent le diaporama d'une petite question pour que les élèves soient actifs.